Salut tout le monde, ça fait une éternité que j'avais pas filmé de vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et ça fait un moment que j'avais cette idée de vidéo, elle va sûrement être décousue. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est que actuellement la population est vraiment en train de se scinder, les gens qui ont du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Le gouvernement, les flics, les préfectures, les rectorats, etc. Contre les citoyens. Bon, il y a des citoyens qui ne voient pas encore ça, mais c'est pas le sujet du jour. Et là où je voulais en venir, c'est que s'il y a bel et bien un plan et qu'il y a bel et bien une poignée de personnes qui veulent prendre le pouvoir sur tous les autres, pour l'instant, ils se servent d'une notre poignée de citoyens à qui ils donnent du pouvoir pour faire respecter leur propre pouvoir à eux, mais quand ils auront plus besoin de ces citoyens-là, donc des gendarmes, des flics, de toute personne à qui ils ont donné du pouvoir pour l'instant, des enseignants qui se permettent de dire aux enfants ce qu'ils ont à faire, etc. Quand ils auront plus besoin de vous, parce que cette vidéo s'adresse à vous qui utilisez votre pouvoir contre les autres pour l'instant, sachez que n'oubliez pas gardez à l'esprit que vous aussi, vous êtes citoyen en fait. Et que quand ils auront plus besoin de vous, vous serez plus utile. Donc, je fais cette vidéo en fait pour que les personnes comprennent qu'on est tous, nous, peuple, dans la même case, dans le même camp, dans le même bateau. Et qu'il y en a qui n'ont pas l'air de le comprendre en fait. On est en train, la société, le peuple est en train de se scinder en deux. On est les pro-masques contre les anti-masques, les pro-vaccins contre les anti-vaccins, les pro-libertés contre les sécurités, les peurs contre amour. On s'en fout de la case et de comment on l'appelle, mais en fait, je fais cette vidéo pour vous dire qu'on est tous dans le même camp et qu'en fait, faudrait essayer de ne pas l'oublier, que c'est extrêmement important de se rappeler que on est tous citoyens, que on est tous ensemble et que ça serait bien de garder à l'esprit qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pattes les uns des autres, que l'autre a le droit de penser différemment et que pour autant, l'autre n'est pas notre ennemi. L'ennemi, entre guillemets, si on doit en choisir un, c'est celui qui veut vous faire fermer votre bouche et qui, en fait, veut vous enlever toute liberté. Maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne voient pas ça et j'espère simplement que un jour, les personnes qui, aujourd'hui, utilisent leur petit pouvoir qu'on leur a donné, j'adore la phrase de mon père, je la répète à chaque fois, qui dit « Pour connaître la valeur de quelqu'un, donnez-lui du pouvoir », cette phrase, elle est mais extrêmement transparente, judicieuse et importante. Parce qu'en fait, grâce à cette phrase, on se rend compte de qui se prend pour qui croit qu'il est au-dessus des autres. Et en fait, à donner des tout petits pouvoirs à des gens, on se rend compte qu'en fait, ils se sentent supérieurs à autrui. J'aimerais juste vous rappeler que personne n'est supérieur à personne dans le peuple, qu'on est vraiment tous égaux dans le peuple. Et que quand viendra le moment où ils n'auront plus besoin de vous, ils vous traiteront comme nous. Et ce jour-là, j'espère que vous vous rendrez compte que vous avez travaillé pour des gens qui n'ont rien à faire de vous, pour des gens pour qui vous n'étiez pas important. Quand je vois toutes ces histoires avec tous ces flics, ces gendarmes qui mettent des amendes alors qu'ils sont soit pas forcément en accord, et dans ce cas-là, je trouve ça encore plus dommage. Je veux dire, si vous n'êtes pas en accord avec ce que le gouvernement est en train de faire passer, ne mettez pas des amendes, n'amendez pas les gens alors que vous cautionnez pas ce qu'ils sont en train de faire. Et quand je vois que beaucoup de personnes ne se renseignent pas sur les lois, la Constitution et les droits de l'homme qui, ça s'appelle la pyramide des normes, les droits de l'homme, ensuite la Constitution, ensuite les lois. Donc ça veut dire que... Et ensuite les décrets. Ça veut dire que les décrets, pour porter le masque, etc., ne sont pas légaux puisqu'ils sont en dessous de la loi. C'est pas quelque chose de complotiste que je suis en train de vous expliquer, c'est quelque chose de légal, de droit, une histoire de droit. Ce qui surplombe tous les droits, toutes les lois, c'est les droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et quand je vois toutes ces personnes, gendarmes, etc., au service du gouvernement, qui appliquent des lois qu'ils ne connaissent pas et qui ne se sont pas renseignés sur ce qui est légal, pas légal, etc., sachez que vous êtes en train de faire un travail pour des personnes qui n'ont rien à faire de vous, vous êtes en train d'essuyer le sale boulot pour des personnes qui veulent tout simplement se servir de vous. Maintenant, si vous êtes en accord avec ça, soit, c'est très bien, alors continuez à faire ce que vous faites, mais si vous n'êtes pas en accord avec ça,
pas arrêter de le faire. Parce que, en fait, ça me fait penser à un dessin animé que j'ai regardé la dernière fois avec mes enfants. Je ne sais plus le titre, mais dedans, il y a des robots dans une société future. Et les robots, quand ils sont donc contre la société, contre les malfrats, en fait, surtout ceux qui ne veulent pas suivre les règles que le gouvernement a mis en place, et quand les robots ne sont plus à même de faire le travail comme le gouvernement l'a décidé, ils sont envoyés à la casse. Et un jour, un robot se rend compte, il se dit, mais en fait, toute ma vie, j'ai fait en sorte d'agir pour le gouvernement et même maintenant il me traite comme de la merde à me mettre à la casse. Ben voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que je pense qu'on doit agir en son âme et conscience et que c'est extrêmement important d'être en accord avec ici et pas avec ici. J'ai énormément de retours de personnes et même les gendarmes que je suis allée voir à côté de chez moi qui m'ont dit non mais on n'est pas là pour réfléchir. Ben si, vous êtes des êtres humains. Je veux dire, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Vous êtes des humains, vous êtes là pour réfléchir. Justement, si vous ne réfléchissez plus, c'est que vous êtes des robots. Et là, ça craint, parce que le jour où vous êtes plus utile en tant que robot, on vous met à la casse. Donc en fait, réfléchissez par vous-même, arrêtez de suivre des règles qui ne vous paraissent pas justes, et puis n'oubliez pas qu'on est tous dans le même camp, et qu'on est tous dans le même bateau, et que le jour où vous serez plus utile aux yeux de ceux qui vous donnent des ordres, vous serez dans le même camp que nous, et ce jour-là, ben, j'espère que vous saurez soit vous excuser, soit vous rendre compte de la manière dont vous avez foiré à vouloir nous rabaisser, nous, peuple, alors qu'en fait, on a toujours été dans le même camp. Voilà, bonne journée !